Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va s'intéresser encore une fois à cette collection de chez Funko. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous ai déjà présenté des figurines de Stranger Swing et de Sa. Donc il s'agit encore une fois des figurines du film Sa ou Heat en anglais, avec un nouveau pack cette fois que je me suis procuré sur Vinted. Alors je suis vraiment content de l'avoir. Donc il s'agit du pack de Pennywise, de Bill et de Georgie. Voilà, donc c'est un film assez mythique, assez culte. J'ai pas été un grand fan de ce film puisque je l'ai pas vu en 2017 lorsqu'il est sorti, donc je l'ai découvert bien plus tard et ben voilà, j'ai bien aimé. Et forcément, vous me connaissez, hein, quand j'aime bien un film, quand j'aime bien une série, ben il me faut les figurines. Voilà, c'est comme ça. Ben écoutez les amis, je vous propose tout de suite, on va passer à la review de ce pack. Voilà, alors aujourd'hui on ne me voit pas, voilà, j'ai décidé de bouder, j'ai pas envie de montrer ma tête, il y a des jours comme ça. Alors, ouverture de côté, puisque oui, le pack est neuf. Apparemment, le pack est neuf. Hein, et d'ailleurs, le pack m'a l'air dans très bon état. Bah, attendez, parce que avant de l'ouvrir, je vais quand même vous le montrer un petit peu. Donc, on a le titre du film avec le ballon. On voit Pennywise, je ne sais pas si on voit bien là. Ouais, on voit bien. On voit Pennywise, donc la tête qui reflète sur le ballon. Le personnage, donc avec la main de Pennywise qui tient le ballon. De côté, la continuité de la photo. Donc, c'est les égouts, hein, j'ai l'impression. Là où il habite, voilà, en bas rien de spécial. À l'arrière, on a la même représentation et les différents packs donc proposés à l'avant. Donc ça fait quelques années, hein, que ces packs sont sortis, hein. Je crois que c'était en 2017 ou 2018 si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément vous pouvez les trouver en occasion chez sur des sites comme Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Alors le pack qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-ci. Moi je vous ai déjà présenté celui-ci, donc ça c'était le pack à Jean-Claude, et je crois que Jean-Claude a réussi à se procurer celui-là, donc qui arrivera sur la chaîne, puisque je n'hésiterai pas à vous le présenter. Et il nous manquera encore celui-ci, donc pour l'instant j'arrive pas à le trouver, mais celui-ci m'a l'air aussi sympa. Donc voilà, bah écoutez, on va l'ouvrir, hein. Je le découvre avec vous. Ça fait quelques jours que je l'ai eu la semaine dernière, j'ai pas encore eu le temps de vous faire la review. Alors je la découvre, on la déballe. Alors ouais, le fond c'est le même, hein, que celui, je pense que ça doit être le même fond à chaque fois, que celui que je vous ai présenté la dernière fois. Alors si j'arrive à le retirer, je vais faire doucement parce que j'ai pas envie de le déchirer. Ouais, il est un petit peu coincé. Voilà, ouais, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa, il est effrayant, hein. Franchement, ouais, c'est cool. Alors le petit pack, le voici, ah, je suis content. Je suis vraiment impatient de l'avoir. Franchement, je trouve ça trop chou. C'est mignon, quoi. Ah oui, il y a le ballon. Ouais, c'est vrai. Il y a le ballon, la lampe torche et le petit bateau. Voilà, le petit bâton de Georgie avec les personnages, donc les deux frères. Ben écoutez, on va ouvrir tout ça. Ben, on va l'ouvrir tout de suite. Tiens, on va pas perdre de temps. On va regarder Pennywise. Ok, donc ça sort tout de suite. Je ne sais pas s'il a été utilisé, ce pack. Je ne sais pas si la personne qui me l'a vendu l'a rescotché ou quoi, mais j'ai l'impression que ça m'a l'air assez neuf, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je regarde un petit peu la peinture, je regarde si tout est bon. Ouais, tout a l'air sympa, tout a l'air propre. Alors, attendez, on va partir sur un gros plan. On va regarder le visage du clown. Assez souriant, ça va, il n'est pas terrifiant, n'importe quoi. Un visage assez souriant, donc pour attirer les enfants, bien évidemment. Son costume traditionnel, voilà, c'était le même que celui que je vous ai présenté la dernière fois, donc le costume traditionnel. Funko, après, ils font du très bon boulot, hein, au niveau des moulages, au niveau de la peinture, tout ça, ils sont assez forts, hein, Funko. Non, moi j'aime bien, la tête est vraiment sympa. Donc on a le clown, donc Pennywise. On va regarder le grand frère. Attends, si j'arrive à le déballer, donc il s'agit de Bill. Donc moi le film je l'ai vu qu'une seule fois. Ah, il a un sac à dos, d'accord. Le film je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai bien aimé. Franchement, moi je suis pas, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, je suis pas trop film de clown, tout ça, mais je me suis quand même forcé à le regarder. Alors bien sûr, hein, je suis un petit peu à la bourre, hein, le gars il débarque 3-4 ans après, mais je me suis dit bon allez, je vais quand même. Jean-Claude m'a dit vas-y regarde-le, il est bien. Effectivement, il est sympa, j'ai bien aimé, c'est vrai qu'il est.
il est assez bon, il fait peur, mais voilà, sans plus quoi. Alors le personnage, je regarde un petit peu, est-ce qu'il ressemble à l'acteur? Ouais, bon, on reconnaît le personnage, on reconnaît pas l'acteur, mais on reconnaît le personnage avec sa mèche de côté, son sac à dos, d'accord. Donc sa tenue assez années 80 comme ça, avec son jean, ses baskets, son t-shirt, sa petite montre. Alors tout à l'heure, j'avais pas regardé les articulations de Pennywise. Alors bon, les articulations sont très simples. Il y a une articulation au niveau de la tête, vous voyez, articulation au niveau des coudes. On peut quand même lever les épaules, ça m'a l'air un petit peu fragile. Simple articulation des coudes, vous voyez, c'est très petit, donc faire attention quand même. Ok, il n'y a pas d'articulation au niveau du bassin, il y a juste une articulation au niveau des jambes, des cuisses et au niveau des genoux. Et je confirme bien, ouais, les figurines sont neuves, parce que j'ai un petit peu du mal à plier les genoux. Bah, je suis content, je ne sais plus combien je l'ai payé, ce pacte, n'importe quoi, ce pacte. J'ai payé 15 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 15 ou 20 euros. Je ne sais plus, je vais regarder après, je vous dirai ça en fin de vidéo. Donc pareil, vous voyez, le Pennywise au niveau des articulations, voilà, c'est les mêmes, hein, articulations de la tête, des épaules, des coudes et des jambes. Hein. Il n'y a pas 36 000 articulations. Il n'y a même pas d'articulation au niveau des... Non, il n'y a pas d'articulation au niveau des chevilles, lui non plus. Ouais, lui non plus. Bon, voilà, c'est des figurines old school, hein. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un petit peu des figurines style vintage pour les gens qui aiment bien, pour les collectionneurs qui aiment bien ce genre de figurines. Ensuite, on va terminer par le troisième personnage, on verra les accessoires à la fin, de Georgie. Là, c'est surtout pour lui que j'ai pris ce pack, hein. Voilà. C'est pour avoir quand même le personnage du petit Georgie, malheureusement qu'on voit pas beaucoup, hein, puisqu'on le voit au début du film. Et il se fait bouffer, le petit Georgie. Voilà, il se fait arracher son petit bras, le pauvre. Avec le kawaii qui est bien réalisé, franchement, ouais, c'est sympa. On est sur du plastique souple. Voilà, et des petites articulations. Bon, la tête, on peut pas la bouger. Enfin, elle peut tourner la tête, mais comme elle est coincée dans le kawaii, on peut pas lui enlever le kawaii, d'accord. Voilà, des petites articulations. Il a ses petites bottes de pluie, voilà, pour la pluie. Hop, petite articulation au niveau des genoux. Bon, après, voilà, on va pas leur donner 36 000 poses. C'est plutôt des figurines pour moi à exposer, à exposer emballées, bien évidemment. Donc, le petit Georgie. Et on va regarder les accessoires. Alors, je recule. Alors, au niveau des accessoires, il a son ballon. Il est bizarre, son ballon. Alors, attendez, je le découvre avec vous. Pourquoi il y a une séparation, là? Ouais, c'est un petit peu bizarre. La couleur est un peu bizarre. Attendez, je fais un gros plan. Ouais, est-ce que je regarde en même temps? Et en même temps, il faut que je regarde le retour de la caméra. C'est pas évident. Ouais, je sais pas. Il est un petit peu orangé. Alors, je sais pas si au niveau de la caméra, vous voyez du rouge. Mais non, en fait, il est un petit peu orangé, le ballon. J'avais l'impression que le ballon de Pennywise était un peu plus rouge que ça. Est-ce qu'on peut lui mettre dans sa main? Ah oui, là, ça, c'est... D'accord. Ça, c'est pour pouvoir le mettre dans sa main. J'avais pas compris pourquoi il y avait cette espèce de nœud là. Bah oui, sinon il n'arrive pas à le mettre dans la main. Il faut quand même que ça puisse tenir. D'accord. Donc le ballon. Et ensuite, on a deux petits accessoires. Donc assez petits. Alors, il y a encore le scotch. Ouais, ouais, je vous dis, la figurine, elle est neuve. Hein. Ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un essaye de remballer une figurine déjà utilisée. Et une figurine neuve, vous voyez tout de suite que... ça n'a pas été utilisé, et là je vous le confirme, ça n'a pas du tout été utilisé. Alors, si j'arrive à le sortir, hop là, la petite lampe torche. Alors, c'est vraiment petit, hein. On va encore s'amuser, je vais encore m'amuser. Hop là, oulala, voilà, la petite lampe torche, voilà, jaune, comme avec son kawaii. Ah, c'est bien réalisé, ça va, c'est simple. Et le petit bateau. Alors, celui-là, pour le sortir, on va s'amuser également. Je veux pas l'abîmer non plus. Je vais y aller doucement. C'est vraiment très petit tout ça. Voilà, le petit bateau en papier, donc avec lequel il s'amuse. Voilà, c'était son dernier jeu au petit Georgie. Est-ce que j'arrive à lui mettre dans la main? Ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Ouais. Peut-être comme ça. Ouais, peut-être comme ça, mais ça va pas être facile non plus. Non, j'arrive pas à lui mettre dans la main, peut-être dans l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est Pennywise qui lui pique. Mais écoutez, les amis, je vais vous poser... Attendez, je recule un petit peu. Je vais vous poser ces trois figurines, hein, et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Oh, que c'est mignon. Oh, qu'ils sont mignons tous les trois.
Donc voilà, j'ai posé des figurines. J'ai tant bien que mal essayé de leur donner une petite pose assez sympa. Il n'y a pas 36 000 poses à leur donner. Alors j'ai essayé de leur donner un accessoire à chacun. Donc bon, Pennywise, forcément, il a son ballon. Georgie, je lui ai donné sa lampe de poche. J'arrivais pas à lui mettre l'espèce de petit bateau là, parce qu'il a des mains beaucoup trop petites. Donc le bateau, je l'ai mis à Billy. Et je crois, dans le film, je crois que c'est Bill. Billy, non, qu'est-ce que je raconte, Bill, c'est Bill, c'est le grand frère qui lui fait, je crois, qui lui fabrique le petit bateau pour jouer, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je vais les faire tourner, comme d'habitude, et on va terminer par le prix. Alors, le prix, ça varie, parce que forcément, puisque ces figurines ne sont plus commercialisées, enfin, sont plus commercialisées, ça fait 3-4 ans qu'elles sont sorties, donc je l'ai payé 15 euros, je crois, ouais, je l'ai payé 15 euros, donc je n'ai pas payé cher. Oui, 20 euros, c'était le pack Stranger Swing, parce que entre-temps, moi, je me suis racheté le pack de Stranger Swing que je vous avais présenté à Jean-Claude, enfin, le pack de Jean-Claude, moi, je me le suis racheté également, je l'avais payé 20 euros, et celui-ci, je l'ai payé 15 euros, donc ça va. Je ne vais pas essayer de négocier 15 euros, ça m'allait, hein, parce que je crois qu'à l'époque, ça coûtait 49 euros, hein, je crois, ce pack, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il me semble, oui, c'était 49 euros, parce qu'elle m'avait encore laissé l'étiquette de l'ancien prix, donc... C'était quand même pas donné, je trouve, hein, pour des petites figurines comme ça. Hein. Voilà, les amis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, ça change un petit peu. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé la review, qui aiment bien ce genre de figurines. Bah, écoutez, si Jean-Claude m'en ramène encore, là, il a beaucoup de boulot en ce moment. On se voit pas trop, mais quand il reviendra, je lui dirai qu'il me les ramène à la maison et je vous les présenterai sur la chaîne. Voilà, les amis, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas fait. Allez, ciao, ciao!